Nicolas Bouzou, merci d'être avec nous. Je dois vous dire que jusqu'à présent, je ne savais pas que vous vous passionniez pour les questions de santé. Qu'est-ce qui fait que l'économiste que vous êtes se passionne pour les questions de santé ? Alors, pour deux raisons. La première raison, c'est que j'ai depuis assez longtemps beaucoup travaillé sur les questions d'innovation. Et c'est sans doute dans le domaine de la santé qu'on a le plus d'innovation d'ordre technologique. On voit ça partout, de l'imagerie à la robotique, en passant par les médicaments, les outils numériques pour la prévention. Enfin, il y a vraiment énormément de choses. Comme à chaque révolution industrielle, hein, c'est exactement ce qu'on a vu au 19e siècle ou à la Renaissance. On voit que dès qu'il y a des grandes vagues technologiques, en fait, elles se dirigent dans deux grands secteurs qui sont la mobilité et la santé. Ce qui est logique d'ailleurs parce que ce sont les deux contraintes de l'humain, hein, se déplacer et le temps, c'est l'espace et le temps. Et donc je trouve ça absolument fascinant. La deuxième raison, c'est que modestement, l'agenda que je me suis fixé dans la vie, c'est d'essayer de montrer à mes compatriotes que le progrès était possible et à quelles conditions il est possible. Et la santé est un très bon terrain d'exercice pour ça, parce que les progrès se voient. Quand arrive une immunothérapie contre un certain type de cancer, eh bien, c'est un progrès qui n'est pas abstrait. C'est quelque chose qui est tangible. Et je trouve ça très intéressant de parler de ça à nos concitoyens. Alors on va parler du modèle économique de l'hôpital, si tant est que ce soit un modèle, ou en tout cas de sa crise économique, puisqu'elle est présentée comme une crise territoriale, où il y a un sujet territorial, il y a un sujet des vocations, on a parlé de la grande démission, je ne pense pas que vous étiez arrivé à ce moment-là, on a parlé des modèles managériaux qui permettaient d'injecter de la créativité, de l'expérimentation, de libérer les ressources humaines pour qu'elles puissent faire du mieux possible leur métier, leur éviter l'injonction paradoxale qui consiste à dire à quelqu'un « tu fais vite et bien », et donc lui il entend « tu fais de la merde, dépêche-toi ». Et il y a la question économique avec aussi un certain nombre d'injonctions paradoxales qui consistent à dire il faut faire moins de dépenses, il faut mettre le patient au cœur de l'affaire, il faut que tout le monde soit content, il faut qu'il y ait des hôpitaux partout, des maternités ici. Bref, c'est une équation compliquée. Quel regard vous portez-vous en tant qu'économiste sur, allez, appelons ça la crise de l'hôpital, je le mets entre guillemets. Alors déjà, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une crise de l'hôpital, je pense qu'il s'agit d'une difficulté du système de santé en règle générale, parce qu'au fond, on a un système, alors là je vais dire des choses qui sont très connues, mais on a un système en France qui est très concentré sur l'hôpital, et on a une dévitalisation de la médecine de ville qui fait que beaucoup de gens se retrouvent à l'hôpital, alors qu'en bonne logique, l'hôpital devrait être un endroit de dernier recours, ça devrait être l'endroit où on va quand on est déjà passé ailleurs. Or, de fait, et la crise des urgences montre bien ça, ça n'est pas le cas, donc penser l'hôpital de façon isolée, sans se dire par ailleurs, on manque de médecins, on manque médecins généralistes, de spécialistes, de maisons de santé, je pense que c'est une erreur intellectuelle colossale. Moi, je pense que, allez, si je voulais être caricatural, je dirais, il faut presque commencer par repenser la médecine de ville, qui n'est pas du tout comme elle devrait être aujourd'hui, qui n'utilise pas les technologies. Enfin, je ne veux pas prendre d'anecdote, mais je viens d'aller faire mes rappels de milieu de ville, les 4 ou 5 vaccins qu'on doit faire. Donc, je suis allé un médecin généraliste, mais l'instrument technologique le plus récent qu'il a utilisé, c'est le stéthoscope, qui donc a été inventé à la fin du 19e siècle, comme vous savez, alors qu'on pourrait faire plein d'autres choses. Donc on voit bien qu'on a une modernisation du système de santé qui est bloquée et qui du coup a des répercussions absolument partout. Ce qui est corrélatif à ce que je viens de dire, et là je vais me faire détester dans la salle, mais l'amitié, c'est de se dire les choses. Je pense que la question financière n'est plus absolument pas le sujet de l'hôpital. Parce qu'on met de l'argent dans l'hôpital en France. Vous connaissez les sommes, c'est des sommes conséquentes. Est-ce que c'était assez? Tout le monde a l'air de dire que non. Donc moi, je ne suis pas à l'hôpital. Donc je crois les gens qui disent que c'était insuffisant. Donc on a remis de l'argent avec le Ségur de la Santé. Le président de la République a dit qu'on allait encore remettre de l'argent là où étaient les besoins. Donc le narratif qui consiste à dire, qui repose uniquement sur la question financière, va peu à peu s'épuiser. Forcément, si on remet de l'argent et que l'hôpital est toujours en crise, c'est forcément que... Voilà, ça n'est pas le seul sujet. Est-ce qu'il est mis au bon endroit, puisque budgétairement, on sait que les moyens vont plutôt à la masse salariale?
Alors, il ne peut pas être mis au bon endroit, parce que s'il était mis au bon endroit, il n'y aurait pas de difficulté. Donc, la façon dont j'imagine les choses, en fait, c'est qu'on met de l'argent. Malheureusement, je ne sais pas dessiner, mais j'ai dans ma tête un espèce de dessin, en fait, où les flux financiers sont très absorbés par une complexité d'organisation qui fait que ça ne va pas nécessairement là où on en a le plus besoin. Et d'ailleurs, je trouve que c'est très similaire. Je vais faire un parallèle avec l'éducation nationale. Vous voyez, je trouve qu'on a parfois un petit peu le même type d'organisation avec énormément de bureaucratie, énormément de normes, énormément de complexité. Alors c'est normal hein, dans le domaine de la santé qu'il y ait des normes et de la complexité. Hein. On ne va pas être caricatural, hein. C'est pas un secteur comme les autres. Donc il est normal qu'il soit plus normé que d'autres. Mais enfin, on a quand même l'impression que l'initiative est incroyablement bridée. Et d'ailleurs, on a été quelques-uns à parler de la notion, à évoquer la notion d'hôpital entreprise. Et puis alors là, ça fait des drames, parce que tout fait des drames. C'est le charme de notre débat public, c'est que dès qu'on dit un truc un peu vrai ou marrant, ça génère des crises d'hystérie. Donc c'est sympa. Et l'hôpital entreprise, donc on a dit ah mais c'est horrible de comparer l'hôpital à une entreprise. Et si d'ailleurs l'hôpital va si mal, c'est parce qu'on l'a considéré comme une entreprise. Mais c'est pas vrai. Enfin, je sais pas, moi je travaille pour les entreprises, l'hôpital et l'entreprise, ça n'a absolument rien à voir. Donc, c'est pas. Et d'ailleurs, ça n'est pas lié qu'à l'hôpital, hein, c'est lié aussi à. Quand j'entends dire par exemple que la T2A est un système de marché, enfin, j'hallucine. La T2A, c'est les pouvoirs publics qui fixent des prix qui sont rigides. Donc, c'est l'inverse d'une économie, c'est pile l'opposé. Voilà, c'est pile l'opposé d'une économie libérale. Vous ne pouvez pas faire plus différent. Donc, il faut pas dire des choses qui sont fausses. A contrario, qu'est-ce qui nous promet qu'un système plus libéralisé porterait des résultats? Absolument rien, sauf le fait que j'ai observé que quand on laissait de la liberté aux gens, eh bien, assez souvent, ça marchait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui garantit que ça marche? Absolument rien, c'est la notion de confiance, mais la liberté est quand même un bon régulateur. Alors, je vais mettre dans la boucle quelqu'un qui détesterait que je le fasse, parce que maintenant, il a des responsabilités très importantes à Matignon. J'ai fait dans les échos avec Cédric Arcos, il y a quelques semaines, un papier qui portait sur le libéralisme à l'hôpital. Alors, il ne faut surtout pas le ressortir, parce que le pauvre, il y perdrait presque son poste. Je m'étonne que Mediapart ne l'ait pas encore dénoncé d'avoir fait quelque chose avec moi. Ce qu'on expliquait, c'est que dans les organisations, en règle générale, la confiance et la liberté sont quand même des bons régulateurs, et de la confiance et de la liberté. Comme il n'y a pas beaucoup de liberté, il ne peut pas y avoir beaucoup de confiance à l'hôpital. Donc c'est pour ça que le sujet de l'organisation, me semble-t-il, est absolument central. Mais pour finir de me faire des ennemis dans la salle. Non, mais ils ne sont pas tous crypto-marxistes. Hein. Non. Oui, c'est vrai que j'ai... Vous avez des a priori, vous projetez sur mais ces gens. C'est à force de me faire, comme vous l'avez dit, à force de faire siffler dans les meetings, je vois des ennemis partout, mais y compris quand ce sont des amis. Mais j'ai perdu le fil de ma pensée, c'est pas grave, ça va me revenir en parlant. Vous évoquiez la confiance et l'initiative et l'autonomie. Oui, voilà, exactement. Ce que je voulais vous dire, c'est que une force de résistance importante dans le secteur de la santé, ce sont les médecins, parce que le secteur de la santé est un secteur très corporatiste. Je ne suis pas un économiste de la santé, je m'intéresse à la santé, je travaille sur la santé, mais je regarde beaucoup de secteurs, et c'est sans doute le secteur dans lequel les corporatismes sont les plus forts. Ça vient du mandarinat, hein, ça vient du fait... Pourtant, pendant la crise Covid, on leur a laissé de l'initiative, on a laissé aux équipes de l'initiative, elles ont travaillé, je vais utiliser des mots qui sont les miens, mais en mode un peu commando, l'urgence, la clarté de l'objectif, et oui, son urgence et la gravité de la situation, les a mis dans une situation pour certains de travailler comme ils le souhaitaient. Ils auraient voulu généraliser cette façon de bosser. Donc ça veut dire que c'est pas que corporatiste. Alors là, pour le coup, ça veut vraiment dire que la liberté, avec un objectif et du sens, est un formidable régulateur, parce que je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire. Mais en fait, beaucoup de gens dans les hôpitaux le disent. Qu'est-ce qui a permis de tenir pendant cette crise complètement dingue, incroyablement forte, incroyablement violente? C'est le fait que ce qu'on a dit à l'hôpital, c'est « faites au mieux ». Voilà. Donc le reste saute, les contraintes sautent.
Il faut essayer d'accueillir le plus de gens possible et c'est tout, et vous vous en tenez à ça. Et en effet, donc on est passé en mode commando, comme vous le dites très bien, et ce que j'ai trouvé absolument fascinant, c'est que dans une période normale de vent calme, il y avait énormément de problèmes à l'hôpital, et il y en avait presque moins dans une période qui était la pandémie la plus grave depuis 100 ans, ce qui est quand même pas rien. Mais au fond, c'est vrai qu'on a laissé les gens, les structures s'organiser un peu comme elles le voulaient, et c'est quand même très intéressant de voir que ça a plutôt bien marché. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, beaucoup d'entre vous, me disent, en fait, la crainte, c'est qu'on oublie les leçons de cette période, qu'on n'en tire pas les leçons, et qu'on revienne au point d'avant, à l'organisation d'avant. Et ça, en effet, ce serait vraiment idiot, parce qu'on a une crise qui a quand même été terrible, et ça voudrait dire, si on n'en tirait pas les leçons, qu'on n'aurait eu aucun gain de cette crise, qu'on en aurait simplement supporté les effets négatifs. Comment rendre l'organisation plus efficace alors ? Vous avez donné quelques principes directeurs, mais si on veut rentrer un peu dans le dur, au-delà de la confiance et de l'autonomie, il y a peut-être des verrous à faire sauter. Bien sûr. Vous avez des idées plus précises ? Oui, bien sûr. Je crois qu'il y a vraiment le verrou de la décentralisation et de l'expérimentation. Il faut absolument qu'on puisse décider beaucoup. Mais il faut faire de l'expérimentation justement de façon décentralisée, puisque l'expérimentation en France, ça vient d'en haut. Il faut demander des autorisations pour expérimenter. Et puis ensuite, on norme bien, on borde bien l'expérimentation. On met en place des mesures d'évaluation, d'ailleurs, qui sont souvent pas très bien faites. Et du coup, en fait, c'est la notion même d'expérimentation qu'on tue. Donc il faut être vraiment capable de dire... Non, voilà, sur les questions de l'ambulatoire, par exemple, ou de l'hospitalisation à domicile, mais enfin, débrouillez-vous. On vous demande juste de faire en sorte qu'il y ait des règles de qualité qui s'appliquent. Bon, ça, c'est le minimum, on ne peut pas y déroger. Et au-delà de ça, vous faites absolument ce que vous voulez. Donc, il faut introduire énormément de liberté dans le système. Parce l'hospitalisation à domicile, ça doit coûter très cher. Donc, oui, mais l'ambulatoire, c'est quand même très, très intéressant. Ça a beaucoup progressé, hein, l'ambulatoire en France, mais ça correspond quand même à pas mal d'aspirations de nos concitoyens, parce que les gens préfèrent être chez eux. Ça correspond à des aspirations des personnels soignants aussi, parce que ça réduit le travail de nuit, par exemple. Ça permet d'utiliser aussi, c'est une incitation pour utiliser des nouvelles technologies, notamment des robots chirurgicaux. Et donc, je trouve que c'est quand même un sujet qui est très intéressant. On a dû doubler en 20 ans en France, la part de l'ambulatoire en chirurgie. Je pense qu'on doit être à la moitié encore à peu près des pays scandinaves, où que je sache, le système de santé ne tue pas les gens. Donc, voilà, on voit qu'il y a encore des progrès importants à faire. Ça veut dire aussi, d'ailleurs, que du côté des médias, il faut aussi aider à ce que des idées fausses ne se propagent pas. Par exemple, il y a une idée, mais incroyablement fausse en France, mais qui est parfaitement admise dans le débat médiatique et dans le débat politique, c'est que la qualité d'un système hospitalier est une fonction linéaire quasiment du nombre de lits. Plus il y a de lits, plus le système est de bonne qualité, ce qui est vraiment absurde. C'est l'équivalent du recrutement des profs à l'éducation nationale ? Non, c'est plus bête, parce que qu'on ait besoin de profs dans l'éducation nationale est quelque chose qui peut quand même se concevoir. Mais qu'on ait besoin de lits, moi je vous en trouve des lits, c'est pas le problème. S'il suffisait de mettre des lits pour que l'hôpital fonctionnerait mieux, on mettrait des lits. Mais on sait bien que pour qu'il y ait des lits, il faut qu'il y ait des personnes. Et en plus, un lit, ça ne veut rien dire. On a manqué d'un certain nombre de lits pendant la crise, qui, je le répète, était la pandémie d'ailleurs la plus grave depuis 100 ans. Et donc, ce que je veux dire est absolument terrible. Je n'allais pas dire que je n'irai l'avoir dit, parce que j'assume tout, mais on ne peut pas non plus configurer l'hôpital pour la pandémie la plus forte depuis 100 ans. Enfin, c'est pas possible non plus, si vous voulez. Donc, cette idée est une idée fausse. Et donc, il faut sortir de ces idées, parce que ça nous fait vraiment faire des bêtises, je crois. Comment faire avec la forte résistance au changement de certains personnels, surtout avec un gouvernement aussi affaibli ? Question très politique. Oui, mais le gouvernement en France est toujours affaibli très rapidement, donc ça, il ne faut pas faire très attention à ça, ce n'est pas grave, ça n'empêche pas de faire des choses. Mais en fait, le personnel, moi je pense qu'il est parfois victime du syndrome de Stockholm. C'est un peu la même chose dans l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'au fond, les gens sont dans une situation qui est une situation
angoissantes, difficiles. Ils sont très, très fatigués à l'hôpital. Ils ont le sentiment que la société n'a pas été reconnaissante envers eux. Et donc, du coup, quand vous êtes dans cette position-là, ben, vous ne supportez plus les changements. C'est quelque chose que je peux comprendre, peut-être dans la même situation, je réagirais exactement de la même façon. Vous voyez, prenons l'exemple, je peux prendre 35 secondes pour les infirmiers et les infirmières. Mais vous les avez. Il nous reste beaucoup de temps. Les infirmiers et les infirmières, donc il y a eu des augmentations assez conséquentes avec le Ségur de la Santé, mais on voit, je parle sous votre contrôle, que ça n'a pas ralenti le niveau des départs de l'hôpital public. La grande démission dont vous avez parlé tout à l'heure et qui touche aussi l'hôpital public. Mais c'est qu'en fait, il y a deux choses dans la valorisation des collaborateurs dans n'importe quelle organisation. Il y a la valorisation financière, qui est évidemment quelque chose qui compte. Il faut payer les gens, c'est clair. Il y a aussi la valorisation non financière, c'est-à-dire est-ce que les gens trouvent du sens dans leur travail? Est-ce qu'on leur laisse suffisamment d'autonomie? Est-ce qu'ils sont bien vus de la société? Vous voyez? Et ça, ce travail, il n'est pas encore fait. Je suis très frappé dans les hôpitaux, des gens qui me disent, mais c'est tellement... Parce que les gens, ils me parlent. Vous voulez dire des personnels de santé? Oui, 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 je parle des infirmiers, enfin, comme tout le monde, j'utilise le système hospitalier absolument comme tout le monde. Et donc, les gens me disent, mais au fond, nous, on ne trouve plus de sens dans notre travail parce qu'il y a tellement de bureaucratie, il y a tellement de normes, il y a tellement que finalement, on est un peu en pilotage automatique et on perd le sens de notre métier, qui pourtant est évident quand on travaille dans un hôpital ou devrait être évident. Et donc, ça, vous voyez la façon dont la bureaucratisation, dans la norme. En même temps, on m'écrit, c'est facile de charger l'administratif, ils ne sont que 10% et pas 30% à l'hôpital, donc il y a quand même une majorité de soignants et d'opérationnels. Oui, mais en plus, je vais même aller plus loin, de toute façon, les administratifs, ils font bien quelque chose. Moi, je suis toujours agacé quand j'entends dire, mais il y a trop d'administratifs dans les hôpitaux. Mais en fait, ce n'est pas eux le problème. Le problème, c'est la complexité normative à l'hôpital. Les gens, les administratifs, ils font pas rien, c'est faux de dire ça, ils travaillent. Donc le problème, il est plus en amont. Donc en fait, il faudrait vraiment un choc de simplification à l'hôpital. Je pense que c'est ça la bonne. Et ça, ça pourrait se faire avec vous, mais il faut que vous jouiez le jeu. Parce que quand on demande, quand on va dans les secteurs, on fait des chocs de simplification, les gens, ils le veulent bien. Puis quand on commence à regarder ligne par ligne, ils disent non, ça faut le garder, ça faut le garder, ça faut le garder. Et quand François Hollande a fait son choc de simplification, c'était plus compliqué après qu'avant. Parce que, non mais je vous promets que c'est vrai, dans certains secteurs, je plaisante même pas, je pourrais faire du mauvais esprit, mais c'est même pas vrai. Bon, donc non, il faut jouer le jeu. Il faut vraiment regarder tout ce qui peut être allégé, retiré, et tout ce qui peut reposer sur la confiance. Mais je pense que ça, c'est un travail qui serait formidablement utile. Tu vois, vous voyez, si on fait cette revitalisation de la médecine de ville, c'est très important. Et si on fait cette simplification à l'hôpital, je pense que déjà, on résout une grande partie du problème. C'est pas une question de gestion, j'entends dire, mais l'hôpital, ce qui est embêtant, c'est que de plus en plus, il faut le gérer. Mais le gérer, c'est normal que les organisations soient gérées. Quand on consomme des ressources, c'est normal que ce soit vérifié et que ce soit régulé. Enfin, et ce n'est pas un problème de public ou de privé, d'ailleurs, je le dis au passage. N'importe quelle organisation, qu'elle soit publique, privée, associative, etc., elle est bien obligée de gérer ses ressources. Comment continuer à soigner les Français alors que les dépenses explosent, que vous êtes un des premiers à dire l'argent magique, ça suffit, et on fait face à un vieillissement de la population, donc les dépenses vont augmenter de façon exponentielle. Comment réorganiser, comment revoir cela? Alors oui, les dépenses vont augmenter beaucoup, je pense qu'il faut parfaitement l'assumer, parce que le vieillissement de la population, ça a un coût, parce que l'innovation thérapeutique, on n'en parle jamais, mais ça coûte cher, et c'est très bien, j'évoquais tout à l'heure l'immunothérapie, il y a plein d'autres exemples, il y a plein de molécules qui arrivent, dans les maladies rares aussi, pour des gens très jeunes, parfois des adolescents, vous avez des traitements à 1 million d'euros, ça coûte cher, et puis c'est bien, c'est formidable qu'on puisse soigner des jeunes, et si ça coûte 1 million d'euros, ça coûte 1 million d'euros, c'est notre contrat social, donc il faut absolument prendre ça en charge, donc ces dépenses, elles augmentent, et moi je pense qu'il faut vraiment assumer ça complètement, mais ça veut dire simplement qu'il faut avoir une obsession de l'efficacité, et cette obsession,
On ne l'a pas encore. Regardez, par exemple, ce que coûtent les doublons, par exemple, dans le domaine de l'imagerie médicale. C'est des milliards d'euros par an, c'est ce que nous dit la Cour des comptes. Regardez ce que représentent les problèmes d'observance, y compris pour des pathologies. Là aussi, hein, il y a des rapports de la Cour des comptes. L'observance, ce n'est pas simplement quand on a une angine l'hiver et qu'on ne prend pas le dernier cachet. Hein. C'est parfois pour des maladies, pour des cancers, il y a des problèmes d'observance, ce que nous dit la Cour des comptes. Donc c'est quand même des vrais sujets qui coûtent extrêmement cher. Donc là, on peut faire des économies. Puis un grand sujet qui, moi, me passionne, sur lequel je travaille beaucoup, qui est celui de la prévention. Parce qu'il y a beaucoup de prévention qui est une prévention qu'on appelle coût efficace, c'est-à-dire qui permet de faire des économies. Et là, on a des marges de progression très importantes. Je vous donne quelques exemples. Les vaccins contre le papillomavirus, par exemple, il y a des études qui viennent de sortir au Royaume-Uni. Ça permet on voit déjà une baisse de l'incidence des cancers du col de l'utérus chez les filles, chez les femmes, et ça réduit les coûts. Donc vous voyez, ça c'est coût efficace. Les tests hémocultes, dépistage du cancer du côlon à partir de 50 ans. On sait que c'est coût efficace. Un sujet qui me passionne et qui me tient très à cœur, l'exercice physique. L'exercice physique, on sait que c'est parfaitement coût efficace. Donc, parce que ça empêche l'obésité par exemple, qui est un facteur de morbidité et donc de coût très important. Et donc il y a vraiment énormément de choses à faire pour réguler les coûts. 10 ans que l'association des directeurs d'hôpitaux plaide auprès des ministres successifs pour obtenir ce choc de simplification. Mmh. On met tous nos espoirs sur Cédric Arcos, votre copain. Il n'est pas ministre. Il y a un sentiment de redite, c'est-à-dire ouais, qu'on a l'impression que les choses se répètent. Mmh. Quand moi j'ai entendu l'histoire du rapport Flash, oui, je me suis dit, mais il y a plein de rapports avant, sur l'hôpital, sur les urgences, sur les deux à la fois. Je voudrais votre regard d'économiste sur la prise de décision ministérielle, d'autant que nous sommes dans une période de flottement où deux ministres au moins sont sur des sièges éjectables en attendant un éventuel remaniement. Qu'est-ce qui peut libérer la décision ministérielle dans le bon sens? Qu'est-ce qui peut faire qu'on évite les vieilles recettes et de redonder sans arrêt? Alors, moi je pense qu'il ne faut pas que ce soit ce que j'ai dit est très impopulaire, mais je pense qu'il ne faut pas prendre quelqu'un du système de santé au ministère de la Santé. Je pense qu'il faut vraiment quelqu'un qui soit capable. Parce que, prenons l'exemple de on demande la mission flash sur les urgences à un urgentiste. Mais en fait, le problème, ce n'est pas simplement un problème d'urgence à l'hôpital. Le problème de l'engorgement des urgences, c'est un problème beaucoup, beaucoup plus global. Donc, il faut prendre quelqu'un. Oui, mais même, il faut prendre quelqu'un qui a cette sensibilité, me semble-t-il, d'avoir une vision extrêmement, extrêmement globale. Donc, je trouve que c'est pareil à la tête du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, c'est un ministère, au fond, c'est quand même beaucoup un ministère du soin. Et aujourd'hui, on est dans des problématiques de réorganisation. Mais il faut aussi le présenter aux Français, hein, parce que, en fait, dès qu'on touche un truc dans le système de santé, les gens entendent, c'est pour faire moins, en fait. Et moi, je trouve que c'est pas du tout pour faire moins. Pour revenir à votre première question, moi, ce que je trouve fascinant dans le secteur de la santé, c'est justement que on a aujourd'hui, notamment dans le domaine des technologies, dans le domaine des thérapies, énormément de choses qui nous permettent de faire beaucoup mieux, d'aller vers le mieux, de mieux soigner les gens, de leur permettre de vivre en bonne santé plus longtemps. Donc, je trouve que c'est absolument enthousiasmant. Donc, il s'agit au contraire d'amener. On a un système de santé qui est plutôt bon en France. Et il s'agit vraiment de faire beaucoup mieux. Donc voilà, moi je trouve que c'est très enthousiasmant. Une décision pourrait prendre le nouveau ministre de la Santé quand il arrive? Une seule. S'il vous demande votre avis, vous lui dites quoi? Moi je pense que le sujet c'est vraiment la médecine de ville, quoi. Je pense qu'il faut vraiment faciliter, plus que l'on l'a fait, les regroupements en médecine de ville. Je crois que la médecine artisanale individuelle, elle n'est plus du tout adaptée à nos besoins. Je vous prenais l'exemple de mes vaccins tout à l'heure. J'arrive chez le cabinet du médecin, il travaille comme il y a 100 ans. Alors en plus, c'est l'après-midi, j'avais emmené mon chat chez le vétérinaire. Nous saurons tout. Ouais. Et alors le vétérinaire, mais c'est beaucoup mieux. Parce que tout de suite, la prise de sang, l'échographie, la radio, etc., le bilan, c'est sur une machine. Au bout de 10 minutes, je ne sais pas pourquoi, moi, le cholestérol, il faut que j'aille dans un laboratoire, faire une prise de sang. Tout.
j'ai les résultats au bout de 6 ou 7 heures, je ne comprends pas du tout. C'est-à-dire que c'est vous êtes en train de dire si que l'autonomie technologique du médecin de ville est une piste. Non mais, l'organisation telle que je viens de la décrire, l'organisation de la médecine, c'est une source d'inefficacité sanitaire et économique absolument extraordinaire. Voilà. Vous ne pouvez pas faire mieux. Pourquoi ? Parce que vous avez des obstacles à chaque fois, en fait, notamment dans le domaine de la prévention. Des obstacles à chaque fois. Donc, c'est un problème d'organisation qui est absolument majeur. Donc, je commencerai par ça. Pour terminer, une médecine qui ne soit pas française et qui a grâce à vos yeux, ou alors, vous dites, c'est intéressant. C'est une très bonne question. En fait, je pense qu'il n'y a aucun modèle en matière de santé, parce que la santé, c'est le domaine dans lequel on essaie de concilier l'équité et la maîtrise des coûts et l'efficacité. Et en fait, ça, c'est extrêmement difficile. Donc, ce n'est pas un secteur comme les autres. Donc, je n'ai jamais vu un système de santé où, dans un pays où on se dise, ça y est, on y est arrivé, on a trouvé le Graal. Et alors, par contre, dans tout un tas d'autres systèmes, formation, l'éducation nationale, le marché du travail, les retraites, je peux vous citer 10 exemples de pays où c'est bon. Alors, ils ont trouvé le truc. L'apprentissage en Autriche, le marché du travail dans les pays scandinaves, l'organisation de l'innovation aux États-Unis, voilà, je peux vous prendre plein de pays, ou en Israël, je peux prendre plein de pays modèles. Mais dans le système de santé, non. Ou alors les modèles que je pourrais vous prendre sont tellement éloignés de notre culture. Singapour, par exemple, c'est très intéressant intellectuellement. Singapour, c'est un truc vraiment d'économiste, quoi. En fait, vos cotisations sociales, elles vont sur un compte qui est placé, donc qui rapporte des intérêts. Et puis, ce que vous pouvez récupérer la part de ce que vous n'avez pas dépensé individuellement. Donc, vous avez une espèce d'incitation. Voilà. Votre argent, il va dans l'innovation. Et en même temps, c'est parfaitement... Je trouve ça absolument génial. Elle ne peut pas proposer ça en France. C'est pas possible, c'est trop éloigné de notre culture. Donc, il faut prendre notre chemin. Mais c'est ce qu'on fait. Alors, je suis quand même assez optimiste, parce que la France, ça c'est un truc que j'ai remarqué, et vous aussi, je pense, c'est que c'est un pays, en fait, où on fait toujours les choses bizarrement, mais on y arrive. Mais sérieusement, hein, regardez toutes les réformes du marché du travail. Maintenant, on a un marché du travail qui fonctionne super bien. L'apprentissage, je regardais ça hier, on a les chiffres quasiment de l'Allemagne ou de la Suisse maintenant dans le domaine de l'apprentissage. Donc, les retraites, on va y arriver. Hein. Moi, je suis assez optimiste. Hein. Là, en fait, on est en train de s'entretuer pour une retraite à 65 ans. Il ne faut pas le dire aux gens, on est à 64 déjà. 63,9, donc en fait, on y arrive. Et donc, la santé... Je pense que ça peut suivre un peu le même chemin. Comme je disais tout à l'heure, la France, c'est le pays des crises d'hystérie, mais finalement, on avance. Nicolas Bouzou, je vous laisse repartir avec une flopée de nouveaux ennemis que vous vous êtes mais fait, oui, mais qui aiment bien, châtient bien. Absolument. Merci à vous. Merci beaucoup.